稍後會繼續睇，而家先轉睇下本港多四宗。Virus Corona الجديد كان حاضرا بقوة في خطاب. This virus still has the potential to erupt into a global pandemic. De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus. Édition spéciale. À mes côtés pour co-animer cette émission, Simon Rosé du service France Science de Radio France Internationale. Bonjour. Kojesta Ibrahimi, journaliste au sein de la rédaction Persane de RFI. Bonjour. Également autour de la table, Eric D'Ortenzio, vous êtes médecin épidémiologiste au sein de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Nous sommes également en ligne avec Tarek Yazarevitch, porte-parole de l'Organisation Mondiale de la Santé. Édition spéciale à suivre en Facebook Live, à retrouver en vidéo également sur RFI.fr. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. On a interdit les messes dans la zone rouge. Les gens font des provisions pour au moins 14 jours. Tout le monde reste chez lui et attend. Personne ne veut consommer et les gens ont peur de sortir. Bah nous, on a environ 75% de clients en moins. On a peur de sortir de la maison. On ne peut pas faire les choses du quotidien. On ne sait pas ce qui va se passer. On apprend qu'il y a de nouveaux cas ici, d'autres ailleurs, que les frontières sont fermées, que le nombre de cas augmente. Et ça pèse sur le moral. Tarek Yazarevitch, commence avec vous. Je sais que vous avez peu de temps à nous consacrer. On entend l'inquiétude des habitants dans les régions concernées en Chine, en Iran, au nord de l'Italie. Je donnais en introduction la définition d'une pandémie selon l'OMS, dont vous êtes le porte-parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? En tout cas, est-ce que l'épidémie de coronavirus Covid-19 répond à cette définition selon vous? Bonjour à vous, à vos invités. Malheureusement, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit comme définition. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Est-ce que le Covid-19 est une pandémie? Voilà. Donc ça c'est une définition colloquiale qu'on peut utiliser. Ce qui est important de dire, si on doit vraiment définir cette épidémie, c'est que l'OMS a déjà déclaré urgence sanitaire au niveau global de portée internationale. Donc ça a été déjà fait. Ça, c'est le niveau le plus haut pour l'OMS de donner l'alarme. Donc voilà, l'inquiétude dont on a pu entendre les voix tout à l'heure sont tout à fait compréhensibles. Mais ce qu'on dit ici à l'OMS, c'est que la panique n'est pas quelque chose qui est utile en ce moment. Donc il faut que les systèmes de santé, que les professionnels de santé essayent de passer le message qui est juste, qui est vrai à la population. Et c'est un virus dont on connaît un peu plus tous les jours. Et qu'une action rapide et une action concentrée des professionnels de santé peut apporter des résultats, comme on a vu en Chine. Tarek Yazarevitch, on a découvert un cas de coronavirus au Nigéria, un ressortissant italien. Est-ce que cette première manifestation de l'épidémie en Afrique subsaharienne vous inquiète? Oui, depuis le début de cette épidémie, nous avons dit que ce qui nous fait peur le plus, c'est l'arrivée de virus dans les pays avec des systèmes de santé faibles, parce que ces systèmes de santé peut-être ne pourront pas faire un travail rapide de détection, de dépistage et de prise en charge. Donc, ce qu'on ne cesse pas de répéter ces derniers jours, c'est que tous les pays doivent vraiment renforcer leur système de santé. Ils doivent former, équiper les professionnels de santé aussi bien que l'infrastructure pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire si un cas de COVID-19 arrive sur notre territoire. Où est-ce qu'on va la mettre? Est-ce qu'on a assez de lits? Dans quels hôpitaux on va la mettre? Est-ce qu'on peut les isoler? Est-ce qu'on a des équipes qui vont aller chercher les contacts de ces gens? Et surtout, il faut vraiment travailler sur un travail de communication avec la population pour expliquer le virus, pour expliquer comment il se transmet,
pour expliquer que qui est dans les groupes le plus touché et quelle est la sévérité du virus, parce qu'on attend toutes sortes d'informations et surtout de misinformations, de désinformations, surtout sur les plateformes des réseaux sociaux. Pour revenir au Nigeria, vous avez prévu d'envoyer une délégation pour vérifier que tout se passe bien ? L'OMS a des bureaux dans plus de 150 pays, donc ces bureaux au niveau pays ont déjà travaillé depuis 2 mois, depuis l'arrivée de ce virus, avec ces pays pour identifier exactement où se trouvent des lacunes de ces systèmes de santé sur les aspects que j'ai évoqués. Et donc le travail de préparation a commencé déjà au début du mois de janvier en ce qui est les moyens de dépistage. Donc maintenant, on a tous les pays en Afrique qui sont en mesure de dépister pour le COVID-19. Un travail pour voir est-ce qu'on a assez de matériel de protection, est-ce qu'on a assez de médicaments, même si on n'a pas un médicament précis pour COVID-19, on a préparé un kit, donc un ensemble de médicaments pour traiter les symptômes de cette maladie. Eric D'Ortenzio, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste. Pour revenir sur cette définition qu'on donnait au début d'une pandémie, est-ce qu'on assiste aujourd'hui, avec la propagation du virus dans des pays et des régions qui jusque-là ils n'avaient pas atteint, à une pandémie aujourd'hui ? En tout cas, on s'y dirige. Hein, on a les 5 continents qui sont touchés. On n'a pas encore une transmission qui est soutenue sur le continent africain. Il y a 3 cas confirmés. En Égypte, en Algérie, en et donc au Nigeria. Algérie et Nigeria. Sur le continent Amérique du Sud, on a un cas au Brésil, il me semble. Donc en tout cas, on s'y dirige. Hein, c'est une question de terminologie. Mais ce qui est important maintenant, c'est vraiment cette préparation pour l'Afrique et pour les pays avec des systèmes de santé faibles. Est-ce que cette question de pandémie ou pas pandémie, c'est juste une question de sémantique ou il y a une vraie différence dans la réponse des autorités sanitaires mondiales en fonction du terme qu'on choisit ? Non, là, comme l'a dit le porte-parole de l'OMS, l'urgence de santé publique de portée internationale a été déclarée déjà il y a quelques semaines. C'est ça qui a mis toute la gestion de la crise sur un niveau d'alerte très élevé. C'est ça qui compte. Maintenant, à un moment donné, on parlera de pandémie, mais c'est pour moi, c'est pas ça qui compte. Ouais. Je voudrais qu'on écoute à présent le directeur de l'OMS, c'était il y a 15 jours. Le monde est resté mal préparé. Pendant trop longtemps, ces réactions ont été fondées sur la panique et marquées par la négligence. Nous avons dépensé de l'argent lors du déclenchement des épidémies avant d'oublier bien vite, dès qu'elles étaient terminées, de travailler à la prévention des prochaines crises. C'est vraiment difficile à comprendre. Cette vision à court terme est dangereuse. Tarek Kazarevitch, le fait que le virus touche désormais tous les continents, qu'il se propage même dans certaines régions à grande vitesse, c'est une conséquence de cette impréparation ? Écoutez, pas forcément, donc, parce que ça dépend du virus et de ses caractéristiques de transmission. Mais ce qu'on va voir si on n'est pas prêt, c'est qu'on aura une transmission soutenue dans la communauté. Et on voit des pays comme Iran, Corée du Sud ou Italie qui dénombrent un nombre important des cas, c'est que voilà, on n'a pas mis en place dès le départ un système de détection des contacts et une approche agressive pour isoler les gens malades. Merci Tarek Kazarevitch. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'OMS. On va vous libérer, on sait que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Eric D'Ortenzio, qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui ? Quelles mesures urgentes prendre pour freiner la propagation de cette épidémie ? En tout cas, si on parle de la propagation dans les pays où les systèmes de santé sont un petit peu plus faibles qu'en Europe, ce qui est très très important... Même en Italie, ce que nous dit le porte-parole de l'OMS à l'instant, c'est que toutes les mesures n'ont pas été prises pour freiner l'épidémie. Donc il faut vraiment avoir une détection des cas et autour de ces cas, avoir une investigation épidémiologique qui puisse identifier les contacts et suivre ces contacts, les mettre en quarantaine pour éviter une diffusion. C'est-à-dire qu'il faut remonter toutes les chaînes de transmission à partir des malades
pour identifier l'entourage qui a été en contact et éviter que ça diffuse au sein de la communauté. Sachant que peut-être qu'on peut expliquer un peu les caractéristiques de ce Covid-19 qui fait qu'il y a des patients qui ne présentent pas les symptômes mais qui peuvent être porteurs, c'est ça ? Alors, ce qui est important de dire sur la transmission et sur les symptômes, il y a plusieurs formes de la maladie. Il y a des personnes qui vont être infectées et qui ne vont pas faire de symptômes. C'est ce qu'on appelle les asymptomatiques. Il y a des personnes qui vont être infectées avec des symptômes, mais peu soutenus, une fièvre, une toux. Et puis, difficile à distinguer d'une grippe ordinaire. Voilà, difficile de distinguer. Donc, c'est important de faire le test à ce moment-là aussi. Et des personnes qui vont faire une forme plus sévère, avec des insuffisances respiratoires, et d'autres malheureusement, qui vont décéder dans 1 à 2, 3% des cas. On n'a pas encore les chiffres exacts, ça va s'affiner. Sur la transmission, on sait maintenant que la transmission est interhumaine, ça on le sait depuis plusieurs semaines. Là où on n'est pas encore tout à fait sûr, c'est est-ce que les asymptomatiques transmettent le virus à des personnes ? On pense que certains le font, mais ce qu'on ne sait pas, c'est si cette transmission, elle est soutenue ou si elle est faible entre les asymptomatiques et des personnes contacts. Qu'est-ce que ça veut dire dans la manière dont on doit prévenir cette propagation, si on prend ces différentes hypothèses ? Ça veut dire que de toute façon, il faut avoir des mesures barrières d'hygiène. Le plus important, c'est le masque pour les malades ou les cas suspects. Et c'est le lavage des mains. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut plusieurs fois se laver les mains dans la journée parce que c'est un mode de contamination très fréquent dans ce genre de virus entre les personnes. Alors, on le disait, une cinquantaine même de pays désormais sont touchés, mais dans certains pays, ils le propagent de manière inquiétante. C'est le cas en Iran. Kojesta Ebrahimi, vous êtes journaliste au sein de la rédaction Personne de RFI. Où en est-on en Iran et comment est-ce que les autorités ont réagi ? Alors le bilan est assez lourd pour l'Iran en ce moment parce que plus de 245 personnes ont été contaminées et plus de 24 personnes ont déjà perdu la vie suite à la contamination au coronavirus. Les autorités réagissent mal parce que tout d'abord on peut signaler le fait qu'ils n'ont pas bloqué les vols entre la Chine et l'Iran. Donc même jusqu'à aujourd'hui, cela continue. Donc, ils n'ont pas fermé les frontières. Et ensuite, la ville de Qom, qui est une ville sainte, est le foyer de propagation de coronavirus en Iran. Cette ville n'a pas été mise en quarantaine. Et ça, c'est une deuxième erreur grave de la part de la République islamique d'Iran. Et enfin, l'absence de transparence pour donner les informations. Donc, les chiffres qu'ils nous donnent ne correspondent absolument pas au nombre de cas qui ont été signalés par le peuple eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Comment on le sait, ça ? Via les réseaux sociaux, via les contacts exactement, qu'on peut avoir ? Exactement. Les réseaux sociaux, les Iraniens sont assez actifs. Donc, toutes les informations que l'on a. Et même si on se base sur les chiffres officiels donnés par le gouvernement iranien, il y a quand même des problèmes qui ne sont pas réglés jusqu'à maintenant parce que si on a plus de 24 personnes qui ont déjà perdu la vie, 245 personnes ne peut pas être contaminée. Ça veut dire que le nombre de contaminés est beaucoup plus important que ce qu'on nous a donné. Merci Kojesta. On va d'abord prendre la direction du foyer de l'épidémie, la Chine. Édition spéciale sur RFI. Tout est bloqué. On n'a pas le droit de visiter ou bien de recevoir quelqu'un ni à la maison ni à l'université. Vous savez, nous ne pouvons même pas faire les achats en ligne. Tout est bloqué. On n'a pas l'impression que ça va finir maintenant. Tout le monde cherche un peu à se cacher ou bien à prendre des précautions. Ça fait peur à tout le monde parce que tout le monde peut être infecté à tout moment et tout le monde a peur de ça. Le témoignage de Fabrice, étudiant congolais coincé en Chine. Stéphane Lagarde, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. On vous retrouve en direct. Vous êtes notre correspondant à Pékin. Stéphane, on le sait, le foyer de l'épidémie, c'est la province du Roubaix où vous étiez rendu au début de l'épidémie. Une province et en particulier la ville de Wuhan qui a été complètement mise sous cloche depuis deux mois. Ça a l'air d'avoir fonctionné toutefois. Le nombre de nouvelles contaminations en Chine est en recul, Stéphane, ces derniers jours. Oui, Nathanaël, ce n'est pas encore le lever de la victoire, mais nous avons effectivement une avalanche de cœurs avec les doigts de poings levés sur les images qui inondent les réseaux sociaux ici depuis quelques jours, en tout cas en Chine, des sourires dans les yeux et derrière les masques, non pas de ces blouses blanches, mais de ces combinaisons blanches de protection, donc de ces personnels médicaux en première ligne, encore une fois, de la lutte contre le coronavirus en Chine, des sourires très abondamment diffusés par les médias d'État. Pour la première fois,
La Chine n'est plus devant pour ce qui est des nouvelles contaminations. La Corée du Sud a signalé un plus grand nombre de cas confirmés en une seule journée que le voisin chinois, où donc l'épidémie a démarré. Et puis depuis le week-end dernier, donc un mois après la fermeture de Wuhan dont vous parliez, la bureau B, Nathanaël, si les statistiques officielles sont exactes, 20 provinces chinoises ne signalent plus de nouveaux cas. Alors certes, Stéphane, la situation a l'air d'être maîtrisée ou sur le point de l'être, mais au prix de beaucoup de sacrifices quand même. Oui, alors ça c'est moins diffusé par la propagande. On a le sacrifice des personnels médicaux, plus de 3000 ont été infectés, certains sont décédés. On a aussi le sacrifice de toute une province et de plusieurs mégalopoles alentour, avec ces images de routes barrées, mais aussi de communautés de quartiers barricadées, des plaques de tôle soudées aux entrées de maisons de village, des chaînes accrochées aux portes des résidences à Wuhan, mais pas seulement. Pour vous donner un exemple, ça continue, hein, ce confinement, malgré la chute des chiffres. À Pékin, par exemple, dans ma résidence, un couvre-feu a été installé cette semaine la nuit, et on a besoin maintenant d'un permis pour sortir et faire les courses. Merci Stéphane Lagarde, notre envoyé spécial permanent à Pékin. Éric D'Ortenzio, sur cette véracité des chiffres, on entendait le fait que les chiffres en Iran que le régime communique ne correspondent pas, semble-t-il, à la réalité. En Chine, on a aussi beaucoup de suspicions. Comment est-ce qu'on arrive à établir si les chiffres que nous donne un gouvernement sont fiables ? Alors, sur l'Iran, ce qui est clair, et ça a été dit, 24 décès, 200 cas, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a des chiffres de 1 à 2% de mortalité. Là, si on fait le rapport, on est à plus de 10%. En plus de ça, on a vu qu'il y a eu des cas exportés dans d'autres pays, à partir de l'Iran au Canada, au Liban, au Moyen-Orient. Donc clairement, on est face à... En Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Il y a eu des estimations d'équipes de recherche qui donnent des chiffres de plusieurs dizaines de milliers de cas actuellement en Iran. Je pense qu'il faut attendre un peu, ils vont sortir des nouveaux chiffres, mais clairement, on est sur une épidémie de large ampleur en Iran. Sur la Chine, je pense que ça a été plutôt transparent et avec beaucoup d'efforts de communication sur les chiffres. Avec un peu de retard quand avec même. Un petit peu de retard au début, mais les Chinois et les scientifiques ont vraiment joué le jeu sur cette épidémie. Maintenant, c'était compliqué d'avoir des chiffres fins parce qu'il y a eu énormément de cas. Les définitions de cas ont un petit peu changé au cours du temps, deux ou trois fois. Donc, bon, voilà, c'est des paramètres qui sont difficiles, mais on a une estimation qui est plutôt bonne en Chine, je dirais, pour l'instant. Éric D'Ortenzio, un pays qui minimise ses bilans comme ça, est-ce que ça pénalise réellement la réponse internationale au niveau de cette coopération, justement, des autorités sanitaires ? Alors, il faut voir pourquoi ils les minimisent. Peut-être qu'ils n'ont pas les capacités de faire le diagnostic à toutes ces personnes. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, notamment l'OMS, et je crois que l'OMS a envoyé une délégation en Iran pour justement travailler avec les Iraniens pour affiner les chiffres et pour mieux comprendre la situation épidémiologique qui se passe, et notamment dans la ville de Qom, où on semble qu'il y ait eu un rassemblement de population qui a créé cette épidémie. Donc vraiment, c'est important de partager. C'est vraiment ce qui est primordial maintenant dans les épidémies, c'est de partager les données en temps réel pour que tout le monde puisse travailler sur le même niveau dans le but de prévenir et de ralentir l'épidémie sur les foyers actifs. Ça veut dire que les chiffres qu'on a vont nous permettre, s'ils sont mieux partagés, de coordonner les réponses. C'est un peu ça l'idée, de pouvoir dire, voilà, là, il faut qu'on interdise tel ou tel rassemblement, par exemple ? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Les mesures barrières qui doivent se mettre en place quand il y a de grands chiffres sur les épidémies, c'est effectivement éviter le contact social, donc c'est la distance sociale, c'est éviter les rassemblements massifs pour limiter vraiment la propagation dans la communauté. RFI toujours en édition spéciale jusqu'à 9h. Vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux avec le mot-clé RFI Matin, le Facebook Live et tous nos contenus à retrouver aussi sur RFI.fr tag coronavirus. Il faut qu'on arrive à avoir une coordination transfrontalière. Ce n'est pas possible. On a vu avec Ebola les cas, les populations qui viennent de la Chine, comment on les prend en charge.
La préoccupation très forte du ministre malien de la Santé, Michel Sidibé, alors que l'épidémie s'étend, elle touche désormais l'Afrique subsaharienne. Un cas a été repéré au Nigeria. Bienvenue si vous nous rejoignez. RFI en édition spéciale pendant encore 20 minutes avec nos spécialistes maison, nos invités en studio. Toujours à mes côtés, Simon Roset du service France Science de RFI, Kojesta Ibrahimi, journaliste de la rédaction Persane. Également autour de la table, Eric D'Ortenzio, médecin épidémiologiste de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Nous ont rejoint par téléphone Mathias Altman, chercheur épidémiologiste à l'Université de Bordeaux, et Patrick Zilbermann, professeur émérite d'Histoire de la Santé à l'École des Hautes Études en Santé Publique, auteur du livre « Tempête microbienne ». Édition spéciale. Je vais commencer avec vous, Mathias Altman. Vous avez beaucoup travaillé sur la propagation des épidémies sur le continent africain. Alors justement, l'Afrique semblait jusque-là plutôt épargnée par ce coronavirus. Deux cas seulement en Égypte et plus récemment en Algérie. Un troisième depuis ce matin au Nigeria. Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une épidémie qui serait présente en Afrique mais pas encore détectée ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, on a un premier cas en Afrique subsaharienne, au Nigeria aujourd'hui. Effectivement, il y a des questions sur toujours la façon dont, les modes de détection. On n'a pas encore des diagnostics à tous les niveaux de la chaîne de santé. Et ça, c'est sûr que c'est un point sur lequel les personnels sur le terrain sont en train de se préparer et qu'il faudra renforcer dans les jours à venir. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Non, je pense que justement, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà mises en place depuis les épidémies passées, les épidémies, notamment l'épidémie d'Ebola, qui avait quand même bien mobilisé les personnels sur le terrain. Il y a des plans qui sont déjà mis en place et du coup, il y a besoin certes d'un soutien matériel, en tout cas à mon sens, pour mieux équiper tous les niveaux de la chaîne du système de santé. Comment expliquer cette apparente absence du virus en Afrique, en tout cas avec trois cas, c'est très peu par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres régions du monde. Est-ce que c'est une question de climat ? Est-ce que c'est que les liens avec la Chine sont peut-être moins forts qu'attendus, alors qu'on imaginait qu'il y avait beaucoup d'ouvriers chinois qui auraient fait l'aller-retour avec les fêtes du Nouvel An ? Comment est-ce qu'on explique le fait que le continent africain soit épargné à ce point ? Pour l'instant, en tout cas. Oui, alors effectivement, pour le moment, c'est que des spéculations sur des modélisations, c'est-à-dire que ce qu'on avait fait notamment avec Eric D'Ortenzio et Victoria Colizza, c'était des modélisations sur le risque d'importation. Et ces modélisations montraient que finalement, le risque d'importation était quand même plus fort en Europe qu'en Afrique, notamment parce que le volume de passagers est plus fort sur de la Chine vers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration puisque le foyer épidémique n'est plus que en Chine et que du coup, les cas peuvent venir de partout. Donc cette modélisation n'a plus lieu d'être dans le sens où... D'ailleurs, en Algérie comme au Nigeria aujourd'hui, les deux contaminations viennent de l'Italie, pas de la Chine. Exactement. Eric D'Ortenzio, justement, il faut traiter chaque nouveau cas comme un nouveau foyer potentiel d'épidémie. Oui, là, je pense que notamment en Afrique subsaharienne, où malheureusement il y a des pays qui ont un système de santé un peu plus faible, il faut vraiment que les cas soient détectés au plus tôt. Il faut remonter la chaîne et identifier les contacts potentiels et les suivre pour essayer d'endiguer ou en tout cas ralentir de nouvelles chaînes de transmission. Ce qui est important, et ce que Mathias a dit, c'est vraiment il faut que les capacités de diagnostic soit très fort, c'est-à-dire qu'il faut que tous les pays soient équipés, que toutes les personnes, les biologistes soient formés au niveau de chaque pays. Il faut qu'il y ait un laboratoire central de référence, évidemment. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de décentraliser le diagnostic au niveau des laboratoires hospitaliers pour justement accélérer la prise en charge des cas et les mesures autour de ces cas. Justement, sur cette capacité de diagnostic qui doit être très forte, de quoi on parle ? À quoi ça ressemble ce diagnostic ? Pourquoi on a parlé en Chine qu'il manquait de kits ? Est-ce que c'est si lourd que ça à mettre en place ?
Et à partir de quel moment on décide de tester une personne pour pas avoir trop de tests à faire, justement? Alors, le test diagnostique actuellement qui est fiable, c'est une technique qu'on appelle une PCR, c'est-à-dire qu'on prélève un patient au niveau nasal ou pulmonaire, et on fait une technique PCR qui est quand même... qui demande une formation des personnels qui n'est pas forcément le cas dans certains laboratoires en Afrique. Donc c'est vraiment le point clé, c'est-à-dire qu'il faut que les gens soient formés, équipés et qu'ils soient en capacité de le faire. Et bah justement, le continent, il se prépare à une éventuelle propagation de l'épidémie. Les représentants de 17 laboratoires des États de la CDAO se sont retrouvés hier à l'Institut Pasteur de Dakar pour y être formés au dépistage. William Delesse, notre correspondant, était sur place. Les médecins récupèrent leur kit de dépistage. Pour Issaka Maman du Togo, il était important de venir à cette formation. Très important parce que non seulement nous avions déjà mis en place cette validation, mais ici on a encore appris qu'il y a d'autres possibilités, notamment d'autres enzymes qu'on pouvait utiliser. Des enzymes pour déceler avec certitude le coronavirus. Concrètement, ces tests permettent de repérer la carte d'identité génétique du virus dans la salive des patients testés. Ousmane Faye, le responsable du département de virologie de l'Institut Pasteur. Il fallait partager en tout cas les connaissances par rapport au nouveau coronavirus, tous les aspects théoriques, mais également faire des aspects pratiques, c'est-à-dire mettre effectivement toutes les mesures de sécurité, mais également discuter dans le cadre d'un réseau, en tout cas pour qu'effectivement on puisse échanger entre nous. Le plus dur sera ensuite l'hospitalisation et l'isolement des patients. Abdourahman Sow de la CDAO. La prise en charge des cas confirmés est un problème. On doit encore travailler dans ce sens-là pour améliorer l'existant et améliorer les conditions de prise en charge des cas. Dans la sous-région, les hôpitaux qui permettraient d'isoler un grand nombre de patients restent rares. William Delesse, Dakar, RFI. Mathias Altman, le continent africain, vous le disiez tout à l'heure, est malheureusement confronté à Ebola depuis des années. Est-ce que cela a au moins le mérite de l'avoir préparé à gérer une telle crise sanitaire ? Oui, effectivement. Enfin, c'est ce que je disais précédemment. En Afrique, le nombre d'épidémies est malheureusement très fréquent et finalement plus que en Europe. Et du coup, ils ont une habitude, on va dire, dans la gestion, que ça soit. Alors, il y a effectivement en Afrique de l'Ouest entre 2014 et 2015 l'épidémie qu'on connaît d'Ebola. Actuellement également en RDC. Il y a régulièrement aussi d'autres fièvres hémorragiques et la rougeole, le choléra. Et du coup, effectivement, ils ont un certain nombre de pratiques sur ce sujet qui fait que... ils ont des capacités et de coordination et de mise en œuvre de réponses. Malheureusement, comme je disais aussi, c'est souvent des problèmes qui sont variables d'un pays à un autre. Hein. On ne va pas mettre tous les pays sur le même niveau, mais des capacités matérielles qui peuvent être variables d'un pays à un autre. Et c'est là où ils ont besoin probablement de soutien, des partenaires. J'ai entendu ce matin que c'était la Croix-Rouge internationale qui venait en support sur le cas au Nigeria, mais probablement il y a aussi les Nations Unies, les ONG qui peuvent soutenir. Patrick Zilberman, vous êtes également en ligne avec nous. Vous enseignez l'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique. Est-ce qu'on peut, comme ça, est-ce que dans l'histoire, en tout cas de l'humanité, l'histoire récente, apprendre d'une épidémie pour en gérer une autre? Est-ce que c'est transposable, finalement, les manières de gérer l'une ou l'autre? Alors, si vous parlez d'infection respiratoire, oui, effectivement, on peut transférer comme Ebola et le coronavirus. L'expérience d'une épidémie vers une autre. Cela dit, il faut pas tout confondre. Si vous avez d'une part une invasion hydrique comme le choléra, c'est une chose. Une infection respiratoire comme le coronavirus, par exemple, c'en est une autre. Donc tout le savoir n'est pas cumulable, si vous voulez. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé récemment dans le contrôle de l'infection, notamment à l'hôpital, parce que l'hôpital est véritablement un contexte ultra sensible en temps d'épidémie.
Et ces nouvelles techniques, si vous voulez, à la fois de protection des personnels soignants et en même temps de contrôle de l'infection à l'intérieur de l'hôpital, celles-là sont évidemment transposables. Éric D'Ortenzio, je vais vous laisser réagir et corriger la bêtise que j'ai dit dans la foulée. Non, je voulais juste préciser qu'effectivement, on apprend de chaque épidémie, et notamment sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, les pays ont été renforcés sur la capacité à gérer une crise épidémique, mais il faut bien comprendre que là, on est face à deux virus avec une transmission qui est différente. Sur le virus Ebola, on a une transmission par contact avec des fluides. Sur le coronavirus, c'est une transmission aérienne. Donc c'est complètement différent. Et c'est certainement sur ça où on a besoin de mieux appréhender la gestion. Et notamment, probablement que les pays africains sont moins expérimenté sur un virus à transmission respiratoire que sur des virus à transmission par fluide ou hydrique, comme l'a rappelé l'historien. 8h51, vous écoutez toujours RFI. Édition spéciale sur RFI. Le continent africain est donc relativement épargné, mais ailleurs le virus se propage, les autorités réagissent localement avec leurs particularités. Stéphane Lagarde, on vous retrouve à nouveau, on évoquait tout à l'heure les mesures drastiques prises par le gouvernement chinois. Alors c'est un régime autoritaire, contrairement à la Corée du Sud, autre pays de la région, vous le disiez tout à l'heure, particulièrement touché. Quelle différence dans les approches d'un côté comme de l'autre, Stéphane ? On a vraiment deux modèles différents. La propagande chinoise s'apprête à sortir ces jours-ci un livre en cinq langues, Nathanaël, intitulé « La bataille contre le coronavirus », mettant en avant le collectivisme et le leadership exceptionnel, évidemment, du président chinois dans cette crise. C'est du jamais vu, hein. À ce qui s'est passé en Chine ces dernières semaines, plus de 70 millions de personnes enfermées chez elles, avec au départ un problème de transparence. Il a fallu quand même plus d'un mois pour que l'information sur ce coronavirus tueur puisse sortir, avant donc toutes ces mesures de confinement exceptionnelles, là encore, décidées au niveau national. Et puis de l'autre côté, on a la Corée du Sud, où l'on a des alertes des nouveaux cas qui sonnent toute la journée sur les portables, où l'on fait 7500 tests de dépistage par jour, 10 000 sont prévus à la fin du mois, deux modèles donc, avec des points quand même face à une telle épidémie. Big data contre big virus, j'allais dire, les Chinois comme les Coréens ont eu recours aux nouvelles technologies pour traquer le Covid-19, le crédit social, les paiements électroniques en Chine, les autorités ont retrouvé par exemple ceux qui avaient acheté des antipharmacies pour savoir qui avait eu de la fièvre. Pareil en Corée ici, où l'on envoie le relevé de ces symptômes sur une application sur les téléphones portables quand on est en quarantaine. En commun aussi le système de filtrage des personnes contaminées dans les quartiers. En commun enfin cette course contre la montre, cet effort incroyable pour tenter de retenir au maximum ce virus, pour éviter en tout cas que les systèmes de santé ne s'effondrent sous le nombre des malades. Merci Stéphane Lagarde. Mathias Altman, pour dire les choses un peu crûment et de manière volontiers, vraiment en tout cas provocatrice, est-ce que de pouvoir s'asseoir sur les libertés publiques pour gérer ce type de crise, ça peut aider ? Alors, écoutez, de mon humble avis, non. Bien sûr, dans ce genre de crise sanitaire, peut-être la principale, pour moi, principal objectif, c'est plutôt de maintenir de la confiance. On a vu, notamment dans la crise qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest sur Ebola, que tant qu'on était dans des mesures coercitives et un manque de confiance avec la population, on n'arrivait pas à résoudre le problème. Du coup, je pense que le premier objectif effectivement qu'on doit se fixer tous, c'est de travailler ensemble de manière plus, bien sûr, d'être vigilant, mais en même temps apaisant et apaisé pour les uns et les autres, parce que sinon, ça va créer des crispations. Patrick Zilberman, sur la même question. Oui, mais je crois que si vous voulez... on rentre dans des eaux difficiles et en général fort mal analysées, qui sont l'interculturel, les différences culturelles. Il est clair, si vous voulez, que le gouvernement chinois joue sur deux paliers. Un palier qui est celui de la science, d'une part, et celui de la géopolitique, d'autre part, et puis un palier qui est celui de la culture, où le président Xi Jinping est présenté comme une espèce de chevalier blanc capable de réduire à merci et de tuer tous les virus qui sont des démons. On a donc un double langage qui, je pense, peut aider la population à supporter une situation ultra pénible comme celle de la quarantaine. Alors, on va voir comment la situation est accueillie en Iran.
Le commerce est mort, les gens ne sortent plus, le gouvernement fait chaque jour plus de choses. Le ministère de la Santé va par exemple distribuer gratuitement des masques à partir de demain. Mais je ne sais pas quelles autres décisions ils vont prendre. On n'a jamais eu une telle expérience. Voilà, témoignage en Iran recueilli par notre correspondant. Kojesta Ebrahimi, en même temps, on voit que dans un autre pays autoritaire comme la République islamique d'Iran, les consignes du gouvernement et des autorités sanitaires ont mis plus de temps à être appliquées malgré tout. Oui, parce qu'en fait, l'appareil d'État est touché par une sorte de paralysie structurelle. Les gardiens de la révolution sont présents partout. Ils ne veulent surtout pas donner des consignes qui vont à l'encontre des intérêts de la République islamique d'Iran, surtout du guide suprême. Et à cela, on peut ajouter aussi des intérêts économiques. L'Iran est touché suite aux sanctions américaines par des difficultés à ce niveau-là. Et donner les consignes au bon moment pour qu'elles soient appliquées signifie également de prendre la responsabilité en assumer les conséquences, et pour le moment ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Simon Rosé. Éric Dortenzio, quand on voit que comme ça, des contingences de politique intérieure peuvent avoir un impact sur la réponse sanitaire dans un pays, mais on sait que c'est une épidémie qui est désormais mondiale, comment est-ce qu'on se coordonne? Quels sont les mécanismes qui existent au niveau international justement pour essayer de pallier ce problème? Bon, il y a l'organisme mondial, l'OMS, qui a ce rôle de coordination de la réponse face à l'épidémie. Donc une réponse coordonnée de santé publique avec les États membres de l'OMS. Donc ça, c'est primordial que l'OMS émette des recommandations sur comment gérer la crise, comment donner des mesures de prévention, comment faire avancer la recherche, parce que c'est aussi important d'avancer sur des traitements, éventuellement sur des vaccins, sur des tests diagnostiques rapides. Donc toute cette coordination au niveau de l'OMS, je crois qu'elle est faite. Là, on assiste quand même à quelque chose d'important avec des réunions très importantes qu'il y a eu lieu il y a deux semaines sur justement établir les priorités de recherche pour cette épidémie. Et ensuite, il y a les partenaires de l'OMS, hein, que ce soit en France avec l'INSERM, l'Institut Pasteur, les Américains, en Afrique, la CDAO, le CDC africain pour les aspects biologiques, etc. Donc il faut vraiment que ce soit collaboratif et que tout le monde aille dans le même sens pour être le mieux préparé possible pour faire face avec ce coronavirus et avoir le même objectif de mitigation de l'épidémie. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Oui, je pense que là, on est vraiment sur une coordination globale. Clairement, la réponse est beaucoup plus forte si on prend l'exemple du SRAS 2003, où il y avait eu un retard à l'allumage, notamment des autorités chinoises, etc. On est beaucoup mieux préparé maintenant. On sait mieux faire pour gérer une crise épidémique. On sait mieux faire pour faire de la recherche en temps d'épidémie, pour faire avancer la science, les diagnostics, les thérapeutiques. Je pense qu'on est dans un mouvement qui est général, global, où tout le monde y met du sien, avec un partage des données. Donc ça, c'est plutôt bien pour cette gestion. En un mot, juste très très rapidement, sur la fermeture des frontières, il y a eu une polémique en France. Ça règle quelque chose? C'est possible? Non, clairement, sur la gestion de la fermeture des frontières pour arrêter une épidémie, c'est pas la solution. Merci Éric Dortenzio d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Mathias Altman, Kojesta Ebrahimi, à la rédaction en chef Simon Rosé qui était avec moi en studio, Bruno Faure en régie, à ses côtés Jean-Pierre Pellon qui assurait la réalisation ce matin. Merci à tous. Yann Bourdelas, c'était lui derrière la caméra. Cette édition spéciale à retrouver d'ailleurs en vidéo sur rfi.fr.